Bonjour, mon nom est Lucie Bourgeois, je suis fondatrice de Humalia. Humalia, c'est une entreprise privée qu'on dit souvent hybride parce que d'une part, on conseille les organisations de tout type sur leur engagement sociétal hein, pour maximiser l'impact qu'ils ont dans la société. Et d'autre part, on mène nos propres projets d'impact sociétal, que ce soit au niveau économique, environnemental, social ou de gouvernance. On me demande souvent pourquoi j'ai démarré Humalia à 40 ans. Bien, c'est suite à une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur privé où j'avais des responsabilités au sein d'entreprises globales. Et en même temps, j'agissais aussi au niveau de conseil d'administration d'ONG internationales. Et je me suis souvent posé la question à comment on pouvait mieux faire travailler ces secteurs-là pour avoir plus d'impact. Et c'est suite à un questionnement où moi-même, je me questionnais sur mon sens et sur l'impact que j'avais dans la société que j'ai décidé de démarrer Humalia. Alors, au-delà de la consultation qu'on fait avec ces organisations-là et de leur propre impact, nous, on a décidé également de se focusser, en fait, sur l'objectif des développements durables de l'ONU numéro 17, qui est les partenariats multisectoriels pour justement aider tous ces secteurs-là à adresser des problématiques sociétales qui sont devenues trop complexes et qui sont devenues trop grandes pour qu'un seul acteur puisse le régler. Donc, c'est dans une approche qu'on croit hautement participative et d'inclusivité qu'on agit sur différents sujets comme les changements climatiques, l'éducation ou encore l'entrepreneuriat féminin, qui en fait tout ça s'ancre dans nos valeurs, comme je disais, de collaboration, d'inclusivité, de participation, de solidarité. Donc, quand on m'a annoncé en fait que j'avais gagné ce concours-là, j'ai été honorée. Et puis, je voudrais surtout féliciter en fait les autres femmes qui ont gagné, mais aussi toutes les autres grandes femmes leaders que je connais qui, elles aussi, agissent au niveau de l'impact sociétal jour à jour. Alors, merci beaucoup.